Gloire à Jésus. Tout le monde est vous. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est moi, comment Jésus. Pour votre vie. Nos belles amitants. Pour ce qu'il fait dans votre vie. Nous voyons aller le belles amitants, mais. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Et bien, si c'est un élève. Notre frère, c'est un culte spécial. Non, si c'est un élève. Un culte spécial. Si c'est un élève, un culte spécial. Un culte spécial. Culte spécial. Un culte spécial. Si c'est un élève. 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 Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. J'ai dit. Allô. Aujourd'hui, c'est un culte spécial. Si c'est un élève. Un culte spécial. Si c'est un élève. Un culte spécial. Happy, happy, et je te ferai voir qui arrivera dans la suite.
Seigneur Jésus, apprenons avec vous. Nous te bénissons, te glorifions. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons plus de connaissance. Nous ne pensons rien. Nous ne voyons rien. Si ce n'est ton esprit, c'est pourquoi, Seigneur Jésus, nous apprenons Jésus. Que notre chair soit brisée. Avant d'abandonner, dans les apparences, soit brisée. Seigneur, que ceux qui nous verront, maintenant mon bien, voient plutôt ta gloire. Et moi, dis que toi, devant les anges, et moi, le Saint-Esprit, et moi, il y a qui voit Jésus, et moi, Jésus, par ce message. Bon, oui, non, mais peut-être que tu l'as dit avant de venir. Il est à côté de toi. Ce que tu as dit se réalise. Au nom de Jésus. Je vous dis quand même. Amen. Amen. Monte ici. Vas-y. Et je te ferai voir ce qui arrivera dans la ce message est un message d'importance majeure, très important. Quand vous lisez le thème, c'est quoi, le Saint-Esprit est venu vous donner un message. L'Esprit est venu ce matin pour vous apporter un message. Oui, l'Esprit me dit qu'il y a des choses ici, qu'il y a quelqu'un ici qui a prié cette semaine. Et là, les deux sont
contraire. L'esprit et la chair sont opposés. Gloire à Jésus. Ça, vous avez la grâce. Et là, tu veux. Okay. Il y a, j'ai un avis que je prends très souvent. Et je vais écrire le mine là, si c'est en anglais. Et je suis allé chercher ce que ça signifie pour mine là. Et ça veut dire pour commencer. Pour tourner en arrière, pour voir le. Et j'ai pris la vie, je suis allée brûler ça hier. Hier, quand il me était un peu à l'aise pour moi, j'ai pris la vie, je suis allée brûler ça. Et j'ai dit, c'est fini. Maintenant, là, le vêtement de véhicule que l'ennemi m'a fait porter là, c'est fini. Je l'ai brûlé. Gloire à Jésus. Amen. Que la gloire soit à Jésus. Donc, nous allons commencer. Bien, amen. Monte ici, Rabbi. Et je te ferai voir. On va voir clair, oui. Ce qui arrivera dans oui, le ciel. Commun. Le Seigneur dit ce matin. Laissez-moi donc. Monte ici. Wafi. Le Seigneur dit monte. Et t'as qu'à voir. Pour qu'il te fasse voir. Ce qui arrivera dans le ciel. Nous devons savoir quelque chose. Mais nous commençons. Lorsque nous vivons avec le Seigneur. Nous commençons d'une étape à une autre. Mais non, aussi, à part de nous avons un objectif. Quel est l'objectif? L'objectif est de monter dans les niveaux les plus élevés. Avec le Christ. Christ, le Christ n'est pas venu dans le monde. Le Christ, ouais, amen. Établit une religiosité de vie. Le Christ n'est pas venu dans le monde pour établir un système. Mais il est venu à moi, il est venu pour apporter une révélation de la parole. Il est venu instaurer son royaume sur la terre. Il est venu opprimer le voile qui sépare le peuple de sa gloire. Non, nous devons savoir que chaque fois que nous marchons avec Jésus pendant notre marche. Nous avons des étapes. Nous avons des étapes à franchir. Il faut franchir. Il faut dépasser. Le Seigneur ne fera rien. Le Seigneur ne fera rien.
sera toujours charnel dans le péché, dans les mauvaises pensées, dans les raisonnements limités. Il est temps que tu grandisses. 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 Quand Jésus n'est pas venu dans le monde, il a établi le système religieux. Jésus est venu établir une communion avec l'homme et Dieu. Jésus a voulu traiter le bâton comme un roi de Alléluia. Amen. Il est venu établir une communion avec l'homme et Dieu. Et on a vu que l'Italie a un autre printemps comme Apocalypse 4, 1. Ou Apocalypse 4, 1. Qui est le lecteur? Apocalypse 4, 1. Qui me suit? Qui me comprend? Mais moi, le coup, il y a un autre printemps. Balance les mains. Qui gloire à Jésus? Donc, qui gloire à Jésus? Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais. Et nous en aimons. Et voici. Voyez bien. Une porte qui était ouverte dans le ciel. On est au lendemain. Première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, dit, pardon, qui me parlait, et donc, dit, et donc, monte ici, quoi, et je te ferai voir ce qui doit. Dans la suite. Ici, nous voyons quelque chose de spirituel. Il manque plus dans les signes. C'est spirituel. C'est hautement spirituel. Et là, car vous pouvez être sous. Dieu, ça, nous n'avons aucune excuse à donner pour dire que non, je suis avec un bébé, je ne veux pas. Et là, mon église, ce qui nous étonne ici, je n'ai pas dit ce que
cela, et bien vous dehors. Après cela, et bien vous dehors. Je regardais, moi, et voici, bah, une porte était ouverte dans le ciel. Oh, on doit pas vous dehors. Répète avec moi. Une porte ouverte dans le ciel. 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 Comment est-ce que Jean était déjà au ciel? Non, Jean de l'homme. Il était déjà au ciel. Et bien le nom? En esprit. Donc, il va bien. Il était déjà au ciel. Et bien le nom? Avec le Seigneur. Et c'est là où il a reçu toutes ses révélations. Et finalement, on éclaire la vidéo. Etc. Etc. Mais Jean avait. Il était au ciel. Oui, non, il dit. Mais ils ont dit, voici une porte était ouverte dans le ciel. Ben non, on est au de l'homme. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette. Oh, ben, quand on est bâti au pendant. Et qui me parlait dit. Mais le condamné est là. Monte ici. Rafi. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la salle. Bon, Marc-Claire, oui, nous n'avons pas de problème. Qu'est-ce que ça signifie? Était le moyen. Jean était déjà au ciel. Jean que le nom. Jean traversait le salut, le ciel était au ciel. Jean que le nom, ça va tomber. Mais nous voyons clairement que. Mais d'abord, la voix qui lui parle, la trompette lui dit. Oh, bien là, là. Monte ici. Rafi. La vie, monte par la porte, traverse la porte. Elle est bon, on me voit. Ce qui veut dire que même au ciel là, est tout flou au ciel. Oh mon pire. Depuis, j'ai eu tout flou au ciel depuis Apocalypse 1. Jean, avant mon nom, tout ce qu'il a fait au ciel là, le maladie, malgré tout ça, elle a dit encore, elle a dit ici, le roi vit, tu ferais voir. On a les clavés, on a dit quoi? Même au ciel, malgré tout ce que j'ai vu, là où il était amené au ciel, il y a une porte qui est encore au ciel. Oh, où je devais être amené, traverser. Bon, après le voir, c'était les révélations. Bon, si je ne vois pas cette porte, et ne monte pas par cette porte, et ne peut approcher les révélations. Malgré tout, c'est au ciel. Malgré que Jean était au ciel, il a mis à tout filer à Paris un jour. Comment vous bien? Mais on tient pas qu'une porte était ouverte dans le ciel. Non, on est là. Ça monte dans le ciel. Il y a vraiment un autre lieu. Oh, on est dans le ciel. Il y a même des niveaux. Oh, par là, là, là. Tiens, mon frère, dans le ciel, il y a des niveaux. Bon, ça va te mettre en level, là. Il était au ciel. Mais Jean, c'est pas une porte que Jean était au ciel. C'est pas une porte qui a été au ciel. Eh ben, ouais, bon, bon, c'est pas une porte dans une autre porte. Le monde est à travers cette porte. C'est parce qu'il y a un autre dégât dans le ciel. Ah, t'as vu que le monde est là. Il y a un niveau, une dimension au ciel. Ah, t'as vu que le monde est là. Où Dieu devait vouloir emmener les gens. Bon, moi, je vais dire, j'ai mais Jean ne peut pas rester là où il était au ciel pour voir ce qu'il peut. C'est pourquoi, malgré tout ce qu'il a fait au ciel, une porte ouverte dans le ciel. Monte ici. Rafi. Monte là, c'est quoi? Celui qui monte là. Mais il était à un niveau là. Ah bah il était comme ça. Mais le point inférieur. Oh. On le dit monte au niveau supérieur. Au ciel, il y a des niveaux supérieurs. Oh, toi, tu as fait beaucoup de temps dans l'église. Bravo, nous supporter la commande. Oui, l'église, c'est la maison du Seigneur. Nous sommes l'église, le temple de Dieu. Et n'est pas mal toi. Tu as déjà reçu beaucoup d'enseignements. À comment moi, je suppose. Déjà, tu dis que c'est bon, tu as déjà tout reçu. Alors, oui. Tu n'as pas encore reçu. Ah, mon Dieu. Tu dis la vérité, tu n'as encore rien reçu. Ah, quoi, il dit, là. Parce qu'il y a encore d'autres richesses qui arrivent. Non, un petit peu, tu vas avoir un problème. Nous sommes de la porte que tu ne connais pas. Nous sommes pas un problème à comment. Alors, qu'est-ce que dois-tu faire? N'y a qu'un abonnement. Écoutez la voix. Un abonnement. Tu peux y aller. Oui, alors, tu dis. Alors, monte ici. Rabbi, et je te ferai voir ce qu'on arrivera. Après le non, on peut faire voir Jésus. Et bien, Jésus. On peut faire acquérir des dimensions de Jésus. Et souvent, la table, on peut voir la songe. Et bien, moi, mais il ne veut pas monter. Et quand on a qui veut monter ici?
Il veut monter ici. Dis-moi, je veux monter. Je veux monter. Je dois monter. Parce que si tu ne montes pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Parce que même si tu es glorieux là, et au niveau de sa gloire, même si ce qui te révèle, c'est que aujourd'hui, tu ne peux pas voir les autres sans monter. Ah, dis-moi, il est là, ta voix, les hagas. Aujourd'hui, le peuple que tu as vu là, dit, je peux être la gloire de Dieu, je peux le mystère de Dieu, je peux dire la sainte doctrine, je connais toute la sainte doctrine. En réalité, c'est mieux qu'une petite portion. Attends, tout qui a dit, tout ça, 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 Dans les... en sous.
Oh, on soit.
Vous pouvez pas vous donner la tête, moi. Le manger et le boire. Et vous le voyez, moi, c'est le manger le boire. Et vous voyez, vous voyez la communion. Eh, quoi, le quoi? Ok, vous ne savez pas. Allez, vous voyez. Comment vous manger ça? Mais vous n'avez pas, vous ne savez pas. Commune. Mais quoi, le quoi, mais moi. C'est ça la communion. Mais quoi, le quoi, mais. Oh, Jésus a donné son corps. Jésus n'a pas d'accord. Nous puissions brancher. Revenez-nous. Il a donné son sang. Il a donné son sang. Pour que nous puissions boire. Son sang, c'est le vin que nous prenons. Vous cantez, et le pain que nous mangeons, c'est son corps. Vous voulez nous boire, d'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour manger le corps? Tu as été à le sang. Il faut manger. Parce que lorsque nous montons, nous soignons la carte. C'est un peu comme on va y être. Pourquoi on n'est pas de l'église? Lorsque nous monterons, nous allons manger à la table du Seigneur. Mais actuellement, comme dans le monde n'est pas encore lieu là, ta maison, c'est la maison, c'est ton corps là, ton esprit plutôt, dans ton corps. L'esprit que tu as là, ton esprit, c'est ça la maison dans laquelle la communion doit se passer. Alors, c'est ton esprit.
verset passant. La Jérusalem des 7 milliards des anges qui font le cœur des anges. Vous êtes approché de quoi? De la montagne de Zion. Il ne sait pas si on est situé là. Ce que je lui viens lever là, c'est que ce sont approchés de quoi? Tu peux citer d'être enlevé? Ah, vous m'avez dit mon cœur. Quand je parle spirituellement, ton esprit va s'approcher du ciel. Il va te donner un cap. Non, tu dis non, je ne peux pas monter. Je peux faire, c'est comme ça. C'est là. Et tu vois les gars,
parole dit. Quand vous êtes en prière, c'est les prières que vous me laissez. C'est juste. En l'état, un homme spirituel est fatigué de profiter de ses chers. C'est un peu. Ça là, c'est pas pour toi. Tu es là. Ça là, c'est pas pour toi. Tu es là. Tu l'as emprunté pour faire sur la terre. Alors, vous voyez, moi, c'est comme tu as pris une enveloppe, tu as pompé. Ne va pas aller, vous bougez où? Je dois faire même parfois, je suis. Parfois, je me dis, ça me dérange. Rien que là, tu es là. Parce que je suis un esprit, nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits. Zaché n'est pas chrétien. Zaché est excellent. C'est
quelqu'un hors de l'église. Mais il y a un moyen de l'homme. Il y a l'office d'État. Oui, il y a un moyen de l'homme. Il travaille pour l'État. Mais non, il y a un moyen de l'homme. Sacha, il a entendu parler de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Mais il veut voir qui est Jésus. C'est la même année, Siméon le patriarche. Moi, Siméon le patriarche. Il a parlé de Jésus. Parce que les prophètes messianiques ont annoncé la venue de Jésus. Siméon a dit quoi? Siméon a dit j'ai entendu parler de Jésus. C'est vrai, Jésus. Mais maintenant, mes yeux l'ont. Avant, Dieu nous goûte bon. Est-ce que tes yeux l'ont vu? Vous goûtez qu'à moi. Tu as entendu parler de Jésus, mais Dieu, Dieu ne l'a pas encore vu. Ah, c'est vrai, Jésus, comment nous goûtons quand même? Tu dois le croire. Ah, de la moyenne. On a dit le front n'est pas forcément une révélation. Oui, c'est moi, il y a mort, révélation. Le front, c'est une vision. Une vision. Mémoire. Forcément une révélation. Eh, de frère. Voir Jésus, c'est rencontrer Jésus. Et moi, Dieu, tu vois, il est plus réellement. Communier avec Jésus. Et donc, il y a un lien entre toi et Jésus. Et le gars, il y a un gros, il y a un gros. Jésus, c'est grandi, c'est établi, c'est un truc. Laissez Jésus entrer dans ta vie. Et fais Jésus en elle. Toi, Jésus, tu vas être pire, mais ça va être en main. Jésus, où on est de ta vie là? Jésus, apparemment, on est en ligne. C'est ta chair. Mais à quoi ça? C'est ta chair qui t'empêche de voir Jésus. À quoi ça, ton embrun, le malin de moi, Jésus? Le voile doit être brisé pour que Jésus entre dans ton cœur. Oui, continue la lecture. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Ah! En réalité, notre état nous empêche de voir Jésus. Et les gens ont le temps de voir Jésus. En réalité, la foule qui empêchait Zachée de voir Jésus, c'est quoi? Pourquoi les gens ont le temps? C'est la nuit. Charnel. Mets-moi pas ça maintenant. De témoins qui sont sur la terre, qui empêchent l'homme de voir l'esprit à l'esprit. Et nous étions en plein et nous battons la maladie, mais avec mon nom qui peut venir. On ne sait pas le fou. Regardez, vous pouvez empêcher de voir Jésus. Donc, moi, je ne veux pas dire Jésus. Moi, Jésus, prenez Jésus. Moi, Jésus. Sors de la foule. Voici, Yémen. Va dans la solitude. On a voulu que tu verras Jésus. Tu ne peux pas voir Jésus dans la foule. La foule, c'est la religiosité. Eh non, au top, moi, c'est la Bible. Mille au cerveau, il est. Je vais avancer avant de vous annoncer. Et moi, au cerveau, il est. Moi, je vais au ciel. Nous allons ensemble. Et la mille, il est. Le colon moule n'est pas dedans. Tu me vois Jésus, tu es dans la foule. Ah, j'ai mon Jésus, Golo. Amen. Mito, amen. Et non, nous sommes là. Nous sommes avec eux. Mito, c'est pas comme ça. Et bon. Qui que c'est, n'est pas comme ça. Il faut le faire là. C'est la une vie personnelle. Au présent. Une vie personnelle. Mais le son avec ton corps. Tu vas lier avec Jésus. Mais quand tu as le vie et toi avec Jésus. Mais tu as très le côté du corps. Tu vas avec Jésus. On veut pas voir cette maison. Zachée a compris que il faut qu'il quitte le milieu de la foule. Parce que quand la foule est là, chacun voudra passer en premier. Zachée, elle a grossi, mais elle a mis le milieu de la foule. Je vais le faire, elle a l'air de vous dire encore. Quand vous êtes fou dans l'église, mais c'est pas le milieu de la foule. Chacun va vouloir chercher Dieu. Mais vous voulez amener à maman ou parce que pourquoi que nous voyons. Et la piscine de Bethesda. Non, mais quoi, Bethesda? Il y a des paralysés. Là, ils étaient nombreux. Plus loin, là, je vois le frère. Est-ce que le paralysé que Jésus est venu guérir, est-ce qu'il pouvait entrer? Il y avait la foule. Parce que lorsqu'il y a la foule, là, Dieu se soucie d'autres qui ont déjà pris des étapes plus que toi.
c'est les premiers qui sont conquis. Elle est le temps qu'on est en train de nous connaître. Qui ne comprend pas? Elle est le bout d'avant. Lorsqu'il y a la foule là, oui, souvent, on ne considère pas les derniers. Mais le bout d'avant, le premier qui va falloir entrer par la porte. Mais nous connaissons tout, on a déjà mis en main. C'est lui qui est choisi par la porte. Oui, oui. C'est ça qu'on n'est pas en foule là. Attends, mais le quoi? Tout le monde n'ira pas en foule. Et bien, il y a quand tu sors de la foule, attends, tu es dans le lieu secret, ah, qui va là, tu iras. Alors, il y a, nous irons. Il est là. On est chacun ira à son côté. On est chacun ira. 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 On est et bien nous le même et ils sont le même qu'à quoi donnons une telle gloire et nous qui gommons nous donnons un écho personnel bon et nous gommier sommes ensemble il n'y a pas nous irons ensemble il n'y a pas nous sommes forts il n'y a pas c'est parce que vous êtes ensemble que vous faites vous êtes forts il n'y a pas nous ici quand tu quittes à vous dire est-ce que tu es forte à Dieu à la sienne quand tu quittes à vous dire tu pleures on connaît allez à vie. Tu pleures seul à la maison. Allez, habille, habille, habille. Dieu dit que oui, la foule, on reçoit les enseignements. Eh, le bon est. On manifeste ensemble les dons spirituels. Mais dans le lieu privé là. Avant de vous plater, ce n'est plus les dons spirituels. Eh, il y a un bon là. C'est le culte spirituel. La vie spirituelle. L'intimité avec Jésus-Christ. La recherche. Jésus même pas mal. Sachez à compris que la foule, c'est la distraction. Sachez à compris que la foule, c'est la compétition. Et il va dire le premier. La foule, là, il y a la compétition, la concurrence. Mais l'autre doit apparaître. Veux-tu voir Jésus? À moi, des doigts. Veux-tu voir Jésus? Le Dieu l'ancien sort de la distraction. Sort de la foulée établie par. C'est-à-dire, par la pensée. Gossin, il est. La religiosité. Gossin, il sert de l'homme. Le culte, ce qui se passe en réalité n'est pas un culte physique, c'est un culte spirituel. C'est là où Jésus commencera à t'utiliser. C'est là Jésus fera avec toi des exploits. Continuez la lecture. Sachez qu'il est intelligent. Et il continue par l'esprit. Il a quitté la foule pour aller se positionner à une position. Il n'est pas reconnu comme glorieux. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir. Ah! Il fait quoi? Il courut en avant. Et là, il va courir en avant. Ah, donne-le encore. Il va courir en avant. C'est un homme de terre. Sachez qu'il est là. Mais il savait qu'il faut courir en arrière. Et là, il donne-le encore. Tu cours comme ça. Ouais, en tout cas, la vie. Quand tu ne cours pas en avant et tu cours là. Ah, malheureusement, il y a quoi? Attends, allez. En arrière. Vous devez y aller. Mais quand tu cours en avant, ah, donc, tu vas rester sur place. Attends, de le voir. Tu n'iras pas en arrière. Allez, goûte-toi. La femme de l'autre a couru en arrière. Oh, là, tiens, goûte-toi. Mais tu es comme elle. Et elle, elle a goûté. Tu es comme elle. Attends, tiens, ouais. Cours en avant. C'est pas là que tu atteindras la gloire de Dieu. Acclame Jésus. Pourquoi Jésus? Oui? C'est bon? Oui. Elle continue. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé. Un sycomore, c'est quoi? C'est un arbre, c'est un figuier. À qui sycomore tient à qui t'es? C'est un arbre qui était élevé. C'est un à qui t'es au Yaga? Il y a un arbre dans Israël. C'est comme des étages. C'est comme des étages. C'est un arbre. Sycomore. Vous voyez, c'est la liste. Et ça dépend, on peut monter. Et toi, la table, on a dit. Donc, sachez, il est même qui te la foule pour monter. Gossi, même, on a dit. À voir, mais. Gossia Roman Moraga. Quitter la foule pour aller. Gossia Rwante Timoraga. Ça. Sachez l'intelligence et la sagesse de mon père. Et le nom est Zizi. Obino Saga. Sur l'arbre avant de faire. Jésus ne se quitte pas de ceux qui sont dans la foule. Non. Jésus, il met les noms. Parce que il veut avoir une intimité avec les hommes.
C'est bon, c'est compris? Il veut avoir une communion avec chaque personne dans l'église. Ça, je suis sur cela. Quand il se met dans la foule, il ne peut jamais. Est-ce que quand il y a l'élection, il y a quelque chose, ou bien il y a distribution, tu es dans la foule, là. Tu es vite servi. Surtout quand on donne la nourriture, le service traiteur, quand il y a la foule là. Mais qu'est-ce qu'ils ont servi sans servir? Ils à côté de la foule, ils vont chuchoter à l'oreille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée. Il leva les yeux. Ah. Il faut qu'il lève les yeux parce que avec les yeux là, il ne peut pas discerner. C'est comme un lion sur la terre. Et dit que quelqu'un n'a pas mal, il ne peut pas discerner. Ils sont nombreux. Et tu quoi dit? Jésus a dit les yeux perdre pour pouvoir sachir. Jésus là. Ah, non, je ne comprends jamais. Avec moi. C'est celui qui te tient confiance en
toi, qui t'aime, qui peut t'inviter à manger avec lui. Mais là, d'ailleurs, tout le monde est là, parler avec toi, mais je ne veux pas citer manger avec toi, parce que je ne te considère pas. Mais on va manger ensemble. C'est parce que je suis à confiance. Il dit, je suis à la pomme de ton cœur. Ouvrez et j'entrerai. Où mon ami amen. Fermez ton cœur à Jésus. Assois-toi à Jésus. Il faudra faire dire. Si tu veux comprendre ce que je m'apprête à faire dans sa vie. On est là, on est cassé tout. Oui, tu as vu le besoin. Mais les arrivants, ils vont lui fermer son cœur. C'est fini. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il ouvre les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Avec joie, hein. Dans cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le pardon. Voici comment le pécheur parle. Il retourne dans le monde. Il est pécheur. Mais là, autour de lui. Il va vouloir monter là. Là, il y a un jour que tu as obtenu. Alors, amigo. Là, tu vas vouloir monter là. Là, ça va grave. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Le salut est entré dans ton père maison. Le salut est entré dans ta 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 maison. Ta maison, c'est le cœur de ton père, c'est ton cœur. Lorsque je suis entré là, c'est le salut qui est entré là. Jésus dit, qu'est-ce que les sorciers font? Et tout le monde mange ensemble. Et nous, quoi? Ils mangent comme lui. Et non, on ne connaît pas. Ils boivent ça. Non, non, la spiritualité, gouvernement. La loi de la communion. Et au sein, on ne connaît pas. Parce que si tu as mangé avec la personne, alors, amen. Il soit spirituel. Eh, moi, on a blé, on a blé. Ou bien? Oui. Ah, pas moi. Nous qui sommes en Christ, nous aussi aller à la table et communier. Jésus est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Voilà, c'est les fils. Le passage dit que les enfants ne méritent pas les promesses. C'est le fils qui est des promesses. Alors, il est là dans le goût. Le papa, c'est le fils. Les enfants, là, ils sont dans les choses. Le bébé, c'est le fils. Non. C'est le fils. On dit, c'est le fils. Et qui fils? Bisous, si tu n'es pas fils, tu ne peux pas hériter du père. Ah, mais bisous, tu dois manger avec le père. Assis, mon rato. Esaïe,
Lisez-moi d'abord Luc 14, verset 7 à 11. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens. Luc 14, verset 7 à 11. Il adressa ensuite une parabole au conduit. Attentivement avec moi. Et d'autant. En voyant qu'il choisissait les premières places. Vous voyez, quand la foule est là, tout le monde veut la première place. Oui, bien non, on n'a rien à nous dire, mais Dieu attend, on ne sait pas. On peut dans l'église, sortir pour aller évangéliser. Mettons là, ouais. Allez prier, allez aussi vivre de prière. Mais vous êtes. Plus vous êtes nombreux. Mais vous n'avez pas une vie d'évangélisation. Là, c'est vous là. Une vie de prière là. Mais vous voulez. Vous allez commencer par rivaliser la première place. Mais là, il y a que mes problèmes. Ils ont recommencé à vous. Là, les ménages qui. Parce que vous êtes nombreux et tout le monde veut. Personne ne veut être en arrière, mais qui veut être en arrière. Mais voilà, vous êtes devant. Mais les malades, vous êtes devant. 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 Vous puissiez prier aussi. Bon, là, vous connaissez les sous. Je ne dis pas de quitter l'église. Là, vous connaissez à combien. Et partiez-vous. Mais maminez. Voilà. Hein? Et il l'a dit. Mais là, il est là. Lorsque tu seras invité par quelqu'un. Et vous pouvez dire des paroles de sagesse. Lisez à haute voix. Lorsque tu seras invité par quelqu'un. Oui, mais il est là, oui. À tes leçons. Hein? Bon, tu n'as rien. Arrêtez la communion. Sachez qu'en réalité, vous l'avez la communion. J'ai assez, hein. Vous l'avez chez son esprit avec soi. Il va venir avec Dieu. Ah, non, quand on est à la maison, chercher, va inviter Jésus. C'est bon. Quoi que vous voulez, c'est sa maison. Et là, tu dis que. Cette maison, c'est ton cœur. Et la table avec, sur laquelle a mangé Jésus et. Vous êtes en foule, vous cherchez à grandir. C'est quand tu n'as pas une vie d'intimité. L'intimité, c'est un secret. C'est la foule qui n'a pas fait le secret. Plus tu es en foule, il y a des personnes qui sont considérées plus que toi. La femme qui a touché le vêtement de Jésus. La foule est la loi plus fort. Elle est le plus de haut. Avant même, elle est ferme et cherche de trouver Dieu. Entre dans le lieu secret. Ah, bah, il m'a dit qu'on n'a pas la vie. On ne prend pas le plus fort, mais on prend celui qui mérite. Celui qui mérite, celui qui s'humilie et se cache. C'est bon? Donc, écoutez, vous extrait, mais quelle est la foule? Qu'est-ce que tout le monde veut chercher là? On prend le plus considérable. Ne te mets pas à la première place, le peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Voilà, c'est ça que j'ai cherché à vous dire. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Oui. Tu aurais alors la honte. La honte? D'aller occuper la première place. Oui. C'est bon, quand tu te précipites devant, tu vas te mettre en arrière. Nous n'avons aucun problème, nous connaissons le couteau. Cache-toi, va en arrière. Oula. Où aller en haut là? Il faut faire comment? Il faut aller à la
Sachez, c'est pas lui-même devant, c'est Dieu qui positionne devant. Jésus s'est retiré de la première position. Oh, sachez. Pour être tous ceux qui cherchent la gloire. Donc, Dieu dit tous les enfants, il les relâche. Non, Dieu est où? C'est pas si toi, tu t'es rompu comme ça. Non, ça, haga. Tu vas tomber. Mais si c'est Jésus qui t'a donné la sagesse, non, non, mais tu le fais comme ça. D'abord, il va te dire de quitter comme ça, fais comme ça. Alors, fais comme ça. Alors, va aider, tu vas aider. Si Jésus te t'amène comme ça, là, et place, tu es glorifié. Il va encore te gloire à Jésus. Il va te Jésus. Hein? Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place. Afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Ouais. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à ta place. Acclame Jésus. Au vrai de l'eau. On passe la table de la communion à la Saint-Esprit. Lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière. Oui, la haute couteau. Sachez ce qu'il y a la dernière place. Sachez au couteau qui va en haut. Et non, à Jésus était en haut ou en bas. Jésus va en bas, plutôt. Si Jésus était en bas là, donc en haut est la dernière place. Oh, la ça, les gens en bas sont plus proches de Jésus. Mais ils n'ont pas touché Jésus. Et dans Jésus, ouais. Parce que sachez, c'est retiré à l'arrière. Oui, sachez le couteau. Qui comprend? Et on a bougé là. Alléluia. Amen. C'est bon, hein? Et mon ami, monte plus haut. Mon ami, monte plus haut. 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 Mon ami, monte plus haut. Monte plus haut. C'est ça l'écriture dit, mon ami, monte plus haut. Non, oui, c'est ça que je viens de dire. Et moi, je dois le dire. Monte ici. Allez, au cœur, ici c'est en haut. Monte plus en haut. Haga. Je ferai voir ce qui arrivera dans la Suisse. On a clair, oui. Ce qui arrivera dans la Suisse, c'est la communion avec Jésus. Gloire à Jésus. Car quiconque s'élève sera abaissé. Alors celui-là te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. C'est pourquoi Jésus a été honoré. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé. C'est ça. Les autres se sont élevés et Dieu les a abaissés. Maintenant, je suis élevé et quiconque s'abaisse sera élevé. Attends, mais Jésus. Luc 5:17. Luc 5:17. Luc t'attend. Il est important, mais c'est le Saint-Esprit. Je suis fatigué de cette dimension. Je dois vivre le surnaturel. Nous avons une communion avec Jésus. Nous avons vivre le spirituel. Nous dois atteindre des degrés plus hauts. Je dois voler comme de l'air. Voler. Pour aller au ciel. Car c'est ceux qui s'approchent de la montagne de Jérusalem, du ciel, qui est mort. Non mais aussi à quoi Jérusalem a dit. Plus tu es loin du ciel, tu n'iras pas. Plus tu t'approches du ciel, spirituellement, tu iras. Oui. Luc 5, verset 17 à 20. Un jour Jésus enseignait. Les pharisiens et les docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire. À cause de qui? La foule. La foule est un blocage pour nous d'atteindre la gloire. Ah, ouais, il y a les gloires comme d'abord. La foule est un blocage spirituel. Ouais, les gloires. Pour nous d'atteindre la gloire de Jésus. Mais il y a d'autres qui vont pas. On veut le faire monter, on veut l'amener. Il y a un vrai sur la foule. Ah, moi, il est sous quoi? Les enfants de Dieu, là, nous utilisons le raccourci. Qu'est-ce qu'on fait le raccourci? Mais il y a un conflit, mais. La déviation.
and even bread. Already, lorsque moi je guéris, mon âme je suis fou. Dernier, ma guérison me conduit à au chemin parfait. Ah bon, gloire, il faut désirer. Adonna, bon, allez, bon, bas. Il faut bien visiter. Les hommes disent, mais lui, il n'est pas droit, il fait comme ça. Mais non, pas moi. Il faut là. Mais le bien, là, c'est pas du mauvais côté. Et là, il dit pas de péché dans le péché. Non, il dit bien, il y a un domaine. Il dit pas de péché dans en arrière, comme la femme de Lot. Allez, là, tu dis, là, c'est bon. Quand tu es monté ici, où est-ce que tu es? Quand la chaussure est là, tu fais comment? Non, la chaussure c'est comme une cage, je peux pleurer comme ça. Non, non, c'est ni. Le pupitre. Eh bien, à Paris. Je suis bloqué. Ah bon. Je fais comme ça. Je vais aller. Non, c'est. Je dévie. Je dévie. Voilà bon. Je dévie. C'est comme ça la vie. Moi, il s'agit de la vie. Nous devons dévier. C'est ça, il s'agit de la dévier. Oui, il s'agit de la vie. Allez-y. Il se voit. Il le sait pas, oui. Il a dit, Nyon, allez, confinez-vous. Je ne prends pas le chemin. Je passe un chemin plus rapide. À quoi aller, Yao? Ça, la guérison. C'est pour les hommes, c'est trop loin. Nous, bâtons les lignes. Pour Dieu, c'est proche. Avant que Dieu joue, Yakta. Ça, les chiens de Jacob. Jacques, arrêtez-vous là. Allez-y dans le lieu de Jean 1, c'est la bien. En réalité, le paralytique devait monter sur les chiens de Jacob. Personne ne l'a pas allié à Jacob dans les chiens. La révélation, le signe, comment sur lequel Sachi était monté, est la représentation de l'échelle de Jacob. Bon, je crains, mais aussi comment tu as dit, allié à Jacob dans les chiens. Elle dit, qui lit le ciel et la terre. Allié à Étal, l'échelle qui établit une connexion entre ciel et terre. Oh là, le nom de Alia de Tchaka pour le lien. Quand il descend, la cause échange, il y a un transfert entre ciel et terre. Quand il descend, la cause échange, il y a un transfert entre ciel et terre. Le Seigneur des cieux est là. Où est-ce que Dieu descend? Il dit la mosaïque qui change, c'est la déviation. Nous dévions la mosaïque change. Nous allons dévier. Nous allons dévier. Et je vais dévier ce matin. Nous allons dévier. Nous allons dévier l'ennemi. Nous allons dévier les voies qui ne sont pas hommes et qui ne sont pas parfaites. Mais nous allons dévier. Quand nous dévions, la cause change. Dieu est en même temps une échelle. Dans le ciel et la terre. Dieu est en même temps une échelle. Ce qui sépare le ciel et la terre. Qui met en connexion l'humain au divin. Qui met en connexion le divin à l'humain. Alliage et notre prophétique. La communion avec le Saint-Esprit. Quand nous parlons de ce même mot. De la terre. Je marche sur l'échelle pour aller vers le ciel. C'est à vous, madame, la halia du même. La communion avec le Saint-Esprit, c'est le lien entre l'humain, l'esprit de l'homme sur la terre et l'esprit de Dieu. Et ça, quand tu as dit à l'autre, pendant que tu vas voir, c'est pas une échelle spirituelle. C'est quoi, il y a un moment où on dit. La pensée qui change, c'est le prophétique de Dieu. Il y a un moment où on dit, on doit dire, qui quitte le ciel? Qui est la réponse à la prière? Si on met en connexion avec le ciel, on met de la tâche à vous, on met. Chose, mon esprit, qui est-ce qui est là? Il doit être là, il doit être là. Se communique au Saint-Esprit qui est aussi. Et tâche à vous, elle se met donc. Et quand Dieu veut me répondre, et à moi, j'ai été mieux. L'atmosphère change, c'est là la déviation se manifeste. Mais non, mais non, mais non. Passe pas de foi, hautement spirituel. Et non, bon, vous pensez à l'aide. Établis une liaison entre le ciel et la terre. Voilà, entre le Saint-Esprit et la terre. La réponse prophétique. Vous voyez, continue. Jean 1,51. Le nom de Jésus. Et il lui dit, en vérité, vous verrez des hommes. Vous verrez des hommes et le ciel où vers. Ah, il
on a regardé le ciel. L'Éternel te dit, maintenant que tu as accepté mon gain, c'est plus désormais, c'est maintenant. Tu verras maintenant, tu vois maintenant le ciel ouvert. Puis je vois maintenant le ciel ouvert. Le verset 19. Oh, ok.
Voyant leur foi, Jésus dit, il me dit où tu le toi arrêtez mon pied en haut. À Gahawé. Ça c'est à monter où? Ça c'est rapide. Sur l'arbre, sur le sycomore. Lui et le paradis, ils l'ont fait monter où? Le bonheur, il est capité. Sur le toit. L'invité. Ils nous ont dit l'invité d'aller où? Derrière. Ah, vous voyez. En fait, derrière, c'est le lieu où les, la foule n'est pas. Est-ce qu'au toit, la foule est là-bas? Est-ce que aussi comment il y a la foule? Il me dit que quand je vais opérer là, c'est la solitude. Jésus là, Et puis on a vu qu'on doit s'approcher de la montagne de Sion.
Hébreux suivant, moi, je vais vous dire, c'est quoi si on dit Jésus aussi. Voilà, mon Jésus, là. Voici ce que le dit Isaïe de prophétie. Oui, Isaïe de. Isaïe de. Merci. De. Il arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps. En réalité, on dit à Jean de faire quoi? Là, Jean a été. Monte ici. Happy. Je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite. La suite. La suite. La Suisse. Et donc, après, là, on retourne à l'arrière de l'écriture. Et ça arrive, on parle des temps. On dit quoi hein? Le... Il arrivera dans la suite des temps. Le temps, ouais. Que la montagne de la maison de la Dieu. Montagne de la maison de Dieu. En réalité, dans la connaissance, la montagne, c'est Jérusalem. Le tout au même, Jérusalem, Jérusalem physique. Jérusalem de Jésus. Dans la doctrine, la montagne, c'est le ciel. La Jérusalem céleste. Bon, donc, quand même, hein, je dans le coup de la révélation, cette montagne, c'est ton cœur, ton esprit. Bon, donc, quand même, hein, la montagne, ici, la révélation, c'est ton esprit. Ah. On veut parler par révélation ici. Hein? Donc, là, je vous dis, monte, quoi, où? À la montagne. Hein? Oui, mais, il arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps, de la montagne. De la maison de l'Éternel. Ma maison! C'est ton cœur. J'entrerai dans cette maison, je soupirerai. Non, la maison de Zacharie, non, de Zaché. Zaché, c'est vous. Le cœur. La montagne de la maison de l'Éternel. Toi, c'est ton esprit, tiens. Ton cœur est dans ton esprit. C'est ça, on dit ici. Hein? Sera fondée. Cette maison sera fondée sur quoi? Sur le sommet de la montagne. Sur le sommet de la montagne. Le sommet. Parce qu'il faut monter plus haut pour voir. Jésus. Donc, on parle du sommet. C'est pourquoi le paralytique est allé au bois. Sachez qu'il est allé au sommet. C'est quoi ce que j'ai dit? Qu'elle s'élèvera par dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. Et que toutes les nations y afflueront. C'est quand tu vas monter avec Jésus. Oui, là, avec que la foule va te poursuivre. Oui, là, tiens, vous mais quand tu recherches d'abord la foule. Non, là, nous, quand tu vas voir. C'est-à-dire que tu penses que c'est. En étant dans la foule, il faut voir Jésus. Ah, non, non, la religion, c'est la pratique charnelle. Il faut voir Jésus. Ah, bah, tu ne trouveras pas là. Mais quand tu te caches, pour t'humilier, quand tu te laisses, Jésus te donnera la foule. Ah, non, oui. Tu ne dis pas même. Ah, la mienne. Quand tu obéis, tu quittes et tu vas à l'intimité de Jésus, ton esprit attirera la foule. Ah, la religion, c'est toi dans la révélation. Vous le dites, il fait quoi? Alléluia. Monte ici. Je te ferai voir ce qui arrivera dans la soirée. Tu comprends déjà ce qui arrivera. Qu'est-ce qui arrive? C'est la communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque moi-même j'établis entre le Saint-Esprit et moi une communion, il y a un transfert entre le ciel et la terre. Et ce transfert entre le ciel et la terre est la manifestation de la réponse prophétique de Dieu. Oui, au soleil aussi quand on gagne le temps. Qui est prêt à établir entre lui et Dieu une communion aujourd'hui? Mais par la terre, Jésus ne veut pas. Jésus ne veut pas la foule d'abord. Et le mec veut que personne n'établisse avec lui une communion. Et le bâton de côté de Banando, quand il s'est arrêté là-bas. Jésus n'aime pas la foule. Jésus a travaillé avec la foule. Jésus a compris. Le bon disciple l'a pris. Vraiment, il a pris le bon disciple pour établir avec eux une communion. Il était pas à la terre avec des millions. Il faut les voir. Mais c'est quand il veut exprimer des signes extraordinaires. Il a multiplié le pain et donné la foule. Mais c'est les tout disciples qui mangeaient la parole avant le peuple. Bon, depuis là, nous voyons, nous voyons, tu vois, tu connais. Qui a établi communion entre lui et Jésus? Lève-toi, lève-toi. Lève-toi pour que Jésus établisse cette communion. Et pendant que tu vas, mon frère, tu pries comme tu n'as jamais prié. Il veut prier comme il n'a jamais prié. Maintenant, on est devant des points alors. Oh, vous allez prier. Tu vas prier ce que ta chair tombe. Alors, on est devant la bague en haut. Tu veux prier en langue. Tu dois prier jusqu'à ce que ta chair tombe et meurt. Qui a prié et a perdu contre une fois. Tu vas prier et entrer en extase. Quand on est quelqu'un en boulot, tu vas prier jusqu'à perdre contre. C'est là.
là la pensée changera. Si ton nom extérieur prie là, Dieu ne va pas descendre. Mais si tu pries, mon homme, avec le Saint-Esprit, jusqu'à ce que tu pries, Seigneur, je veux, je dis, mon là, quel paix. Autant les pères refusera de donner le Saint-Esprit à ses enfants. Est-ce qu'il le demande? Est-ce que je peux donner, tu sais pas, la place au père? Et qui? Demandez-moi le Saint-Esprit, je vais vous donner la chaleur. Frappez! Pouvons? Frappez! Pouvons? Je vous souviens. Non, non. Et il vous dit d'abord, avant de vous rentrer à moi, je dois d'abord le triomphe. C'est ça la communion. Aujourd'hui, il va soyez concentrés, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Donc, soyez concentrés et suivez la prière. Les espaces. La chair doit tomber pour que l'esprit ressuscite. Et beaucoup verront des anges. Beaucoup verront le ciel ouvert. Parce que déjà que je parle prophétiquement, le ciel est ouvert sur nous. Le ciel est ouvert, bien aimé, qui voit? Le ciel est ouvert ici. Et va retourner à ta prière. Quand il descend, oui, il y a eu le pasteur pour continuer avec nous.